Lecture de Rosalind. Rosalind contre-attaque sévère. Braoum. Muchu. Non. Crac. Pan. Pan. Rare. 2 ans plus tôt, près de Ljubice, à la frontière des communes de Pourte-Saint-Janis et de Valinquière-l'Échu, dans une fermette isolée à quelques lieues du village. Oh, Rosalind. Mais qu'est-ce que c'est? Serait-ce Dieu possible? Épée, croix, 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 croix. Il faut savoir que Rosalind est une femme étonnante. Elle est vraiment très très forte et elle vise bien. Plop, bruit, oh oh, mais on dirait bien que je l'ai eu. Ouh là là, il va s'écraser chez Edmond le voisin. Oh, Jésus-Marie, oh mon Dieu, Edmond, qu'ai-je encore fait? Dieu Tout-Puissant, faites qu'Edmond n'ait rien, il est si sensible depuis la mort de sa femme. Aïe, ça s'annonce mal. Ah, à l'aide! Tu vois mon opinel, tentacule? Aïalou, plouic, plouic, alors on fait moi le malin, hein? On fait moi le malin, hein? Ah ça, espèce de tête de scaphopodin. Il ne faut pas s'étonner de la force de Rosalind. Quoi encore? Avant, Rosalind était agent secret d'élite. C'est pour ça qu'elle taquine. Question technique de combat. Au secours. Ici. J'arrive. Vite. Oh, bonjour Rosalind. Comment vas-tu? Muchu. La pute. T'as vu, Muchu? Ces étoiles, là-bas. Si on les relie, ça fait presque un hippopotame. C'est incroyable. Et puis là, oh, là. On dirait Georges Pompidou.